Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, chérie, explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Ben, j'en sais rien parce que moi, je conduis la voiture et tu me dis là, bah là, bah là, là, tu te Oh my god. Non, alors aujourd'hui, Lorraine explique. Aujourd'hui, on va acheter un grand sapin de Noël avec des petites boules là, comme ça, là. Et après, Lorraine explique. Bah, on va chercher notre sapin de Noël, quoi. Voilà, on est encore en confinement. On va aller voir si il y a des sapins de Noël. Parce que monsieur, il est où? Il est où? Parce que monsieur, tu veux quoi, un sapin de Noël? De Noël. Non, il m'a dit qu'il voulait pas un sapin de Noël artificiel. Il voulait un vrai sapin pour avoir l'odeur du sapin, tout ça et tout ce qui va avec, quoi. Donc, on va aller chercher ça où? À la forêt. On va aller chercher ça où? À la forêt. À la forêt de Gumbel. Voilà. Donc, à tout de suite. Stella, ready for boss, everybody. You don't know my best actress, my home. Stella, 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 ready for boss, everybody. You don't know my best actress, my home. Stella, 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 Stella. Avec Baby et les enfants. Coucou les filles. Donc là nous partons en direction Gamme Vert. J'espère qu'ils ont le sapin artificiel, pas artificiel. J'espère qu'ils ont le vrai sapin, quoi. Naturel. Naturel. J'ai hâte de voir ce qu'ils proposent. Je vais aussi vous montrer le magasin, comme ça vous pouvez voir aussi si vous avez un Gamme Vert près de chez vous. Les vrais sapins, voilà. Les vrais sapins dont je vous parlais. Voilà. Mais il les met que demain. En fait, regarde. Tu vois, attention, ça bouge. En fait, ils les reçoivent comme ça et ils doivent en faire, tu vois, tailler le petit bout comme ça pour qu'on puisse le mettre dans un. Dans un trépied.
inventer un sapin naturel parce qu'il y a des inconvénients et des avantages. Ouais, les inconvénients, c'est que bah, les épines tombent et ça fait du dégât. L'odeur de sapin, c'est valable 3 jours. Après, il n'y en a plus. Donc, on va prendre l'artificiel comme ça, on s'en servira l'année prochaine. Puis en plus, ils en font des très beaux qui ressemblent au naturel. Donc, on va partir pour ça. Voilà. Hein, c'est pas mal ça. Voilà. Parce qu'on s'est renseigné, la vendeuse nous a expliqué, la maman de David aussi nous a expliqué les inconvénients et les avantages. Donc, c'est pour ça. Et puis, laissez les petits sapins en liberté. Laissez les petits sapins, ne les coupez pas. Ce sont des plantes qui ont de l'amour aussi. Vous êtes contente du sapin? Oui. T'es contente, Nono? Oui. Tiens, j'ai pris ça. Après, si, enfin, ça dépend quelle couleur tu veux faire ton truc. Ouais, moi je vais faire doré. Doré rouge. Doré rouge et vert. Et par contre, si tu veux des lumières, tu vois, celle-là c'est fixe, mais t'en as qui clignotent. Ah, il y a des lumières? Nous, on peut acheter des lumières comme ça? Bien sûr, nous on en a, mais des petites boules blanches. Tu sais. Ah oui, ok. Mais, sinon, t'en as encore.